Ok, bah les gars, c'est carré. Merci beaucoup. Merci. En 2h30, les gars, j'ai généré 1030 euros. Après ses expériences chez McDo et Carrefour, Ilan a décidé de se lancer dans la vente de beignets en or sur les plages de Saint-Tropez. Un petit business qui, comme vous allez le voir, semble fonctionner à merveille. Beignet, beignet, col ! Chouchou, beignet ! Beignet, beignet ! Je fais gros, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, tu veux un beignet ? Ouais, je t'en prends ça. C'est 50 euros, c'est des beignets en or. Spécialement Saint-Tropez. Allez, ça va ? Impeccable, tiens. Ah bah tiens, vas-y. Je te laisse prendre... Tiens, je vais te donner celui-là. Impeccable. Bah régale-toi, mon ref. Bah profite, hein, et merci. Allez, à toi. Hein. Moi aussi. Putain, les gars, j'ai renta. Les gars, j'ai déjà rentabilisé 50 balles le beignet. Vous êtes des haters, 50 balles le beignet à Saint-Tropez, des beignets en or. Et alors, c'est qui le boss ? Je vais me refaire, je vais arrêter McDo, les gars. Ça, frérot, c'est 50 euros, par contre. Putain, mais frérot, tiens. Régale-toi, mon frère. Merci beaucoup. Gold. Je vais tenir plein d'axes. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Fini Carrefour, fini McDo. Eh, hey, mon patron du McDo, si tu regardes le live, sache que maintenant, je vends des beignets. Je vends des beignets, fini. Salut les gars. Ouais, ça va. Ça va? Vous voulez un beignet? Ouais, je veux bien. Alors c'est des beignets en or, pour Saint-Tropez, vous connaissez. C'est 50 euros le beignet, pardon. Ça marche, y'a pas de soucis. Ça va? Vous en voulez combien? 3. Tiens frérot, ça fait donc merci du coup 150. Nickel, 50 euros et là 100. Ok, bah les gars, c'est carré. Merci beaucoup. En 2h30 les gars, j'ai généré 1030 euros. Avec ça, je me refais. Hein.